Bonjour, bonsoir à tous, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que j'ai pas publié de vidéo la semaine dernière, je tiens à m'excuser, c'est tout simplement parce que c'était la canicule, il faisait 40 degrés et que j'avais grave la flemme de me poser devant mes éclairages, donc je me suis dit go tourner une petite vidéo parce que j'ai vu que le temps s'était un peu calmé, là genre il fait 28 degrés. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée. Alors c'est vrai que comme vous l'avez vu sur ma chaîne, j'ai lancé un nouveau concept où je vous parle des dramas sur Instagram, où je vous parle de tous les dramas qui se passent dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en France, enfin bref, je suis un peu votre journaliste favori, genre. Je reçois du coup pas mal de messages sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, il faut venir me suivre parce que du coup, quand il y a un drama, quand il y a un truc qui se passe, je vous tiens au courant en premier dans ma story Insta. Ça va être l'été, je vais commencer à poster sur Instagram, je vous le promets, donc venez me suivre. Voilà, j'ai reçu pas mal de messages en mode tu as vu ce qui s'est passé avec Léa et lui et Hunter, il faut absolument que tu en parles, etc. Pourquoi pas, genre, je savais pas trop parce que voilà, enfin, Léa, c'est une fille que je connais. C'est une fille avec qui j'ai déjà fait des soirées. C'est une fille que, enfin ouais, que je connais en gros. Et je sais pas, genre je me suis dit c'est un peu bizarre de parler d'un drama mais d'une meuf que je connais. Mais bon, comme je voyais que vous compreniez pas grand chose à ce qui s'est passé et que ça tournait partout sur les réseaux sociaux, je vais vous parler du drama de Léa et lui et Hunter. Let's go way, way back to the basics. Damn, motherfuckers really just can't take it. Sipping all around and wanna bite, wanna taste it. I'm that cat, yeah, I'm the black cat. Yeah, I'm that bitch that does it like that. Donc, si vous les connaissez pas, Léa, c'est une fille qui s'est fait connaître sur TikTok. Enfin, sur Musical.ly, de base, elle s'est fait connaître pour ses danses. Elle faisait des belly dance, donc des danses du ventre, etc. Et elle s'est fait connaître principalement sur cette application-là. Et tous ses abonnés sont venus sur Instagram, etc. Et aujourd'hui, c'est une fille qui est énormément connue en France et aux États-Unis et même dans le monde entier. C'est une des Françaises les plus connues sur Instagram. Elle a genre maintenant 9 millions d'abonnés. Qui peut rivaliser? Je sais pas. Enfin, franchement, en France, elle a trop d'influence. Et Hunter, honnêtement, je sais pas trop c'est qui. Je ne le connais pas personnellement et je lui ai jamais parlé. Donc, je sais juste que c'était le copain de Léa. Mais après, j'en sais pas plus sur lui. Je crois que c'est un mec qui s'est fait connaître pareil sur les réseaux en faisant des vidéos, des trucs. Enfin, bref, je vais pas dire de la merde. Je préfère rien dire parce que je ne sais pas trop comment il s'est fait connaître. Pour vous expliquer un peu ma relation entre guillemets avec Léa, donc Léa c'est une fille, comme ça vous savez dès le début, Léa c'est une fille que j'ai connue grâce à Samir, enfin un ami à moi, donc Saphir Jaune sur TikTok. La première fois que je l'ai vue, en fait on avait fait un rassemblement de TikTokers parce que oui je fais des TikTok si vous n'êtes pas au courant. On a fait un espèce de mini rassemblement de TikTokers sur Paris et du coup j'avais vu Léa à ce moment-là, elle était trop chou, genre vraiment c'est une fille, elle est adorable. Et ensuite je l'ai revue à pas mal de soirées, enfin je l'ai vue à deux soirées ensuite je crois. Donc je l'ai vue à une soirée chez Thriller, donc en fait on avait fait une petite soirée Thriller avec plein d'influenceurs et tout, bref. Je l'avais revue à une autre soirée je crois, en fait on s'était posé avec du coup Léa, Samir, Issa, etc. Enfin plein de potes à moi. On s'était posé dans son agence et on avait commandé un gros McDo, enfin je crois que j'ai encore des snaps et tout, mais bref. Moi je fais l'inverse. Du coup voilà, Léa comme je vous dis c'est une fille que je connais quand même un minimum. À l'époque je l'avais sur Snap, j'ai encore son numéro etc, je l'avais sur Snap mais elle m'a supprimé, je sais pas pourquoi, mais bref. Mais en gros voilà, c'est une fille que je connais personnellement, à qui j'ai déjà parlé, avec qui j'ai déjà fait des soirées. Donc voilà, au moins vous savez, vous êtes au courant, voilà. Donc maintenant on va parler du sujet qui vous intéresse et de l'histoire avec Hunter. Donc si je dis pas de bêtises, déjà Léa et Hunter de base se sont rencontrés sur Instagram. Ensuite ils ont commencé à se parler pendant des mois. Puis ensuite ils se sont rencontrés, ils se sont mis ensemble, enfin bref vous avez capté. Parce que lui habite aux États-Unis et elle habite en France. Du coup c'était un peu une relation à distance. Mais comme Léa va souvent à Los Angeles parce qu'elle est quand même très connue aux États-Unis, bah en soi je pense que leur relation, bah ça collait bien quoi, vous avez capté. Donc voilà, leur relation je crois que ça faisait, si je vous mens pas, déjà l'été dernier j'étais avec Léa dans certaines soirées. Et je sais que l'été dernier elle était avec Hunter déjà. Donc ça fait plus d'un an, ça faisait plus d'un an je crois qu'ils étaient ensemble. Et donc je sais qu'une fois il y avait une grosse embrouille entre eux et ils s'étaient déjà disputés, ils s'étaient déjà unfollow etc. Enfin, il y avait une grosse histoire. Et en gros, bah là, on a eu un gros drama entre les deux. Donc, pour vous expliquer un petit peu, on va la faire assez courte. Je vais essayer de vous expliquer les choses et j'ai envie que ce soit clair pour vous. Donc, en gros, le drama commence comment? Donc, on a un compte sur Twitter qui s'appelle Catch Me Hunter. Donc, ça doit être un compte fan de Hunter, je pense, qui a tweeté « Léa est devenue une merde. Je postule pour être ta meilleure amie. » Hunter, tout simplement, a retweeté ça. Donc, en gros, il a retweeté un tweet qui dit que sa meuf est une merde.
Donc déjà, les gens n'ont pas trop compris. Et donc comme il y a eu plein de réactions en mode « Wesh, pourquoi tu retweets des bails comme ça, frère ?» Et bah, il a tweeté un autre tweet juste après où il a dit « Sorry, that was an accident. » Genre, désolé, c'était vraiment un accident, etc. Sauf que mon petit garçon, tu peux pas dire que c'était un accident. Si vous avez Twitter, vous allez comprendre. Quand tu as un tweet en face de toi, tu appuies sur le petit bouton pour retweeter. Et là, on te redemande encore retweeter ce tweet. Enfin, genre, on te redemande encore si tu veux bien retweeter. Il faut que tu appuies encore une fois. C'est-à-dire que tu peux pas faire sans faire exprès retweeter un truc que t'appuies vite fait. C'est qu'il a appuyé pour retweeter et qu'il a rappuyé une deuxième fois. C'était pas un accident. Un menteur. On a Léa qui a réagi dans sa story Instagram. Donc, elle a commencé à dire tout simplement. En gros, avant que j'ouvre Twitter, je ne savais pas que j'étais célibataire. Et ensuite, elle a mis encore une story où elle a mis je vais continuer de poster mes soft porn, parce qu'en gros Hunter il avait dit que Léa, en gros ses belly dance et ses vidéos sur Instagram, c'était du porn, genre du porno, mais du porno soft. Porn soft, c'est genre du porno mais pas vulgaire, genre tu vois, vous avez compris je pense. Et donc elle a tout simplement mis dans sa story, je vais continuer à poster mes porn soft comme il le dit, sans avoir personne sur mon dos. Enfin, j'ai entendu plein de trucs sur ça, que apparemment Hunter, en fait, enfin, il sort avec Léa, mais en fait, il fait que de critiquer ses danses et ses vidéos sur Instagram. Du coup, tu sors avec quelqu'un, mais tu le supportes absolument pas dans sa passion. Genre, c'est quoi le but de votre relation? Je comprends pas, donc bref. Donc Léa, enfin, cette fille, elle est mignonne, et genre, enfin, je sais pas, elle fait rien de mal, c'est pas comme si elle se mettait à walper non plus. Enfin, tout ce scandale, puisque Léa n'a pas eu de réponse, Hunter a fait un petit live. En gros, il a commencé son live, il y avait plein de gens qui commençaient à lui dire genre tu joues à quoi, pourquoi t'es aussi méchant avec Léa, enfin bref, il y a plein de gens qui lui posent des questions. Et Léa était sur le live, et du coup ce qu'il a fait, c'est qu'il a invité Léa sur le live, c'est à dire qu'il a dit à Léa de venir du coup, et donc ils se sont retrouvés à faire un live à deux, et je vais vous mettre la séquence, mais c'est trop drôle, genre vous regardez. Hi. Since you wanted to make everything public, let's keep it public. Yeah, go ahead, what do you want? Love, you didn't. Seriously, I'm shaking. Stop. This is not okay. Love, how can you do that? And listen. How can you go live and say you're breaking up with me and you're single and having a fucking smile on your face? Stop. No, that's it's disgusting. Not smiling. Love, listen. No, don't call me love. Leave me alone. If you want to talk, you talk out of social media. Really, no, I'm shooting my phone right now. Vous avez vu à peu près, mais pour vous résumer tout simplement, Léa, tout ce qu'elle demandait, c'est que avoir des explications, parce que du coup, en fait, son mec l'a quitté sans lui dire, et elle a appris ça sur Twitter. Du coup, la seule chose qu'elle voulait, c'était avoir des explications sur tout ça, en fait, et donc elle lui dit, si tu veux qu'on parle, bah, on peut parler, mais pas ici, pas en public, devant toute la terre, en fait. En fait, je pense que tout simplement, voilà, elle est choquée, genre, la meuf, elle s'attendait pas à ça, genre, d'un coup, son mec, il la largue, elle sait pas pourquoi, et donc, elle peut avoir aucune explication, parce que, ah oui, je vous ai pas précisé, en plus de ça, à Skip, il l'avait bloqué sur Instagram, il l'avait bloqué sur Twitter, il l'avait bloqué sur Snapchat. Donc le mec met des tweets comme ça et ensuite bloque sa meuf sur tous les réseaux sociaux. Où sont tes couilles? Bref, et donc tout ce que voulait Léa, c'était des explications. Et depuis, on n'a pas eu trop de nouvelles. Enfin, on les a pas revus ensemble. On n'a pas eu de discussion entre eux ou quoi. Enfin, on n'a pas eu de nouvelles. Juste, Léa, elle a dit qu'elle allait très bien, qu'elle était entourée de sa famille, de ses amis, etc. Et moi, je suis grave content pour elle parce que c'est une fille, comme je vous dis, qui est adorable. Et j'ai pas envie qu'elle soit mal ou j'ai pas envie qu'elle. Enfin, je sais pas. Genre, je souhaite que du bonheur, genre vraiment. Et donc voilà pour ces explications sur l'affaire Léa et lui et Hunter Rowland. Donc j'espère que vous avez compris. J'espère que c'était assez clair. Si vous voulez plus de vidéos dans ce Steam où je vous explique un peu les petits dramas du moment, dites-le moi dans les commentaires, mettez des pouces bleus parce que c'est avec les pouces bleus que je peux voir si mes vidéos vous plaisent. Du coup je vous fais plein de gros bisous. Donc comme je vous disais, si vous êtes toujours pas abonné à mon Instagram, il faut le faire, c'est important. En plus ça va être l'été, je vais partir en vacances, je vais pouvoir tout vous montrer sur Instagram, donc venez me suivre. Et voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, à bientôt, je vous aime fort, bye.